Vous êtes un jeune créateur d'entreprise et vous êtes à la recherche d'un local professionnel. Eh bien, j'ai la solution pour vous. Je vous amène à Working Mios, un espace de coworking à Mios. C'est parti. Daniel François, bonjour et bonjour. Merci de nous accueillir dans votre espace de coworking qui s'appelle Working Mios. Tout le monde l'aura compris. Vous êtes donc installé à Mios. Depuis combien d'années ? Alors, les travaux ont commencé en 2014 et l'ouverture officielle a eu lieu en janvier 2015. D'accord. Donc, ça fait, on attaque la sixième année. Ouais. Donc, vous vous situez à proximité de l'autoroute ? Oui, c'est un point stratégique puisque la ville de Mios, c'est la première étape lorsqu'on vient du nord de la France et qu'on va sur Arcachon ou même lorsqu'on se dirige vers l'Espagne. Donc, c'est un carrefour. Depuis Paris, via la LGV ? Exactement. Donc, vous faites bien de parler de la LGV, puisqu'il y a une gare à Biganos, à quelques kilomètres de notre espace. Côté, ouais. Donc, les coworkers peuvent très bien venir par train sur la gare de Biganos et utiliser la voie rapide. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la voie rapide qui va de Bordeaux jusqu'à Arcachon, d'accord, de Bordeaux jusqu'au Donc, Pays Basque. Un côté très pratique. Cette idée, elle est née comment ? Elle est née tout simplement parce que pour mon entreprise, j'avais besoin d'un espace de travail. Il n'y avait pas de bureau sur Mios. L'espace de coworking, c'est un concept qui s'étudie depuis pas mal d'années et qui crée des émules. Hein. De plus en plus de communes sont attentives à ce type d'espace de travail. Donc on a jumelé mon besoin d'avoir des bureaux sur notre ville de Mios et la possibilité d'offrir à de jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, hein, puisque je ne fais pas partie des jeunes, à des entrepreneurs la possibilité de se lancer dans un projet de création d'entreprise. Anaïs, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en mobilité pour WeMove. Oui. Et vous occupez l'espace de coworking de Mios. Et je crois, si j'ai de bonnes informations, vous êtes la plus vieille locataire. C'est bien ça ? Il paraît apparemment, oui. Ouais, oui, bah, ça ne me rajeunit pas. C'est vrai, ça ne me rajeunit pas. Je suis là depuis fin 2017, d'accord, effectivement. Et puis j'ai vu effectivement passer pas mal de personnes, ouais, ici au sein du coworking. D'accord. Donc moi j'ai un bureau fermé. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré afin de venir travailler dans un espace comme ça, un espace partagé ? Alors, moi je dépends en fait d'une association qui est basée sur Bordeaux. D'accord. Mais je travaille sur le bassin d'Arcachon, Val de l'Air. C'est mon territoire et donc il fallait que je trouve un endroit pour avoir un bureau pour mes activités administratives. Donc un endroit stratégiquement bien placé. Exactement. Et à faible coût. Tout à fait. Alors à faible coût, ça c'est surtout mon association, hein, qui gère tout ça. Mais effectivement, il fallait trouver un endroit qui soit suffisamment stratégique, ouais, pour que je puisse être rapidement sur le bassin nord ou sur le bassin sud ou sur le Val de l'Air. Donc Mios était idéalement placé. Ouais. Ouais. Alors, et entre nous, les points positifs et négatifs, qu'est-ce que ce serait après tant d'années passées ici ? Après tant d'années. Bientôt 4. Les points positifs, alors moi j'habite sur le Val de l'Air, donc ouais, je suis très proche. D'accord. Effectivement, je pars très vite, soit sur bassin sud, soit sur bassin nord, soit sur le Val de l'Air. Enfin, c'est vrai que j'ai le choix, on a la voie rapide qui est juste à côté. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est très convivial. On connaît bien les personnes, voilà, on fait des rencontres avec différentes entreprises et là, associations. Ce côté humain, ce côté réseau, vous avez vraiment trouvé des bénéfices à cette situation ? Tout à fait, ouais, on avait des personnes aussi qui étaient du département, qui faisaient du télétravail ici, donc on a pu échanger. Voilà, c'est très pratique, ouais, non seulement pour son emploi, le métier qu'on exerce, mais aussi voilà, pour faire des rencontres aussi humaine, sociale, voilà, amicale. Voilà. Et puis je crois savoir que des repas sont organisés, des petits pots pour absolument rapprocher encore plus, créer des liens. Voilà, bon, c'est l'occasion aujourd'hui, effectivement. Alors c'est vrai qu'à la base, on aurait tendance à se diriger vers ce type de structure lorsqu'on est jeune créateur, donc on n'a encore pas suffisamment de chiffre d'affaires pour avoir son propre local. Oui. Pour autant, il y a un autre aspect qui voit le jour, enfin qui émerge profondément, c'est l'espace partagé, le réseau, le côté humain.
Les conditions sanitaires particulières qu'on a vécues en 2020 nous permettent de constater que le télétravail devient obligatoire. Bon, il y avait déjà une tendance sur le télétravail, mais là, pour des raisons sanitaires, l'esprit de ce télétravail s'est renforcé. Donc le problème du télétravail, on le vit au quotidien, c'est que les personnes s'isolent de plus en plus, elles se désocialisent. Beaucoup de cas de dépression. Exactement. Donc l'intérêt de l'espace de coworking, eh bien, ça permet d'avoir son espace de travail, toutes les commodités pour pouvoir travailler, mais aussi travailler dans un esprit convivial, échanger des expériences et se trouver dans une ambiance de travail, une ambiance professionnelle. Et puis élargir son réseau professionnel, tout simplement. Exactement, oui. Des partages d'amener de l'entraide, du soutien. Des partages d'expériences. Ouais. C'est pour cela qu'on a différents types d'occupants dans cet espace. Ouais. On a des jeunes créateurs, dans le privé, dans le public, dans l'associatif aussi. On a aussi des salariés qui souhaitent ne pas faire partie des flux migratoires Mios-Bordeaux et Bordeaux-Mios. Mios ou Marche-Prime, ouais. ou des petites communes environnantes, salles, etc. Donc voilà, ces personnes gagnent au niveau environnemental. C'est un beau message, puisque au lieu d'être dans les bouchons du matin et les bouchons du soir, dans ces flux migratoires, eh bien, on gagne le temps de travail, la sécurité aussi, et la possibilité de travailler très près de son domicile. D'accord. Donc cet espace, il compte combien de bureaux ? Alors il y a 8 bureaux fermés, il y a donc 4... espace open space qu'on appelle. Il y a une salle de réunion dans laquelle il va y avoir d'ailleurs dans quelques minutes le pot annuel un petit moment convivial. Ouais. Ensuite, donc il y a la salle de réunion et puis un bureau avec un espace un peu plus important. D'accord. Ici. Donc chaque partie, chaque bureau, chaque espace peut être réservé, enfin loué. Oui. Donc. Ça va quoi ? De la demi-journée, de l'heure ? Comment ça se passe ? Voilà, l'esprit est très souple en fait. On peut venir une heure dans un espace de open. Un open space, d'accord. Voilà. Des experts comptables viennent remettre le bilan annuel des entrepreneurs, des clients avec lesquels ils travaillent dans un bureau séparé. Donc en effet, on peut occuper à l'heure, à la demi-journée, à la journée, à la semaine, au mois, et puis on a des coworkers, d'accord. On verra tout à l'heure, qui sont là depuis plusieurs années. Donc c'est un fonctionnement très souple. Tout à fait. D'accord. Le gros intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'engagement de bail, il n'y a pas d'aménagement, et c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on lance un projet, on ne peut pas être plus souple. On arrive juste avec son ordinateur, oui. Vous fournissez la connexion Internet, et c'est parti. Voilà, c'est chauffé en hiver. Il y a le chauffage aussi. Il y a le chauffage en hiver, il y a la connexion Internet, il y a un petit coin repas, il y a une salle de réunion, et donc les personnes peuvent recevoir des clients ou des collaborateurs dans cet espace-là. D'accord, et actuellement c'est occupé à quel... Depuis la création, on n'a pas communiqué, vous êtes notre premier... support de communication, ouais. Et pas le moindre, parce que je crois que TV Actu Bassin, c'est très bien. Donc, c'est la première fois qu'on communique sur notre espace. Ouais. L'espace était occupé à 80%, ce qui est un taux de remplissage qui est très, très, très performant. Sachant que beaucoup de gens arrivent, d'autres repartent, il y a un turnover assez récent. 50 entreprises, on a compté, ma fille a compté, puisque c'est ma fille Anne qui a créé qui s'est occupée de lancer cet espace. Il y a 50 entreprises qui sont venues, ou 50 créateurs. Donc, 6 ans à peu près, 50 entreprises. C'est ça. D'accord. Et pas des moindres, il me semble que le département a occupé les lieux. Alors, on a eu des partenariats avec dans le milieu associatif. Le département a aussi occupé l'espace pendant un certain nombre d'années pour des télétravailleuses qui étaient sur la ville de Mios, ou je crois sur la Cano aussi, qui ont profité de l'espace pour éviter de ces flux migratoires dont nous parlions tout à l'heure, du matin et du soir. D'accord. Alors, je pense que les gens vont vouloir de suite savoir où vous situez ça. Bon, via le site internet, on peut vous trouver facilement, il y a un plan. Exactement. Vous allez sur Working Mios et vous trouverez le plan d'accès. Alors, en fait, bon, on est dans une zone d'activité, la zone d'activité de Masquette. Comme on l'a dit tout à l'heure, qui est très accessible, on est sur le bord de la rocade, et près de la gare. Voilà. Bon, mais écoutez, on vous souhaite longue vie. Et puis, au nom de tous les jeunes entrepreneurs, merci pour eux. Et puis, à bientôt. Et vous serez les bienvenus. Merci, avec plaisir. Au revoir.